Mais tant qu'à foi, c'est podium pour tout haïtien ordinaire qui a fait un travail extraordinaire. Quel que soit côté où il y a à travers le monde, nous menons sur podium mi tant qu'à foi. Moun sa yo, c'est moun pa yo, c'est moun pa mi yo. Nous devons valoriser nos mi tant qu'à foi. Ce sont des haïtiens qui font un travail extraordinaire. Et ce sont des mouns ordinaires. Yo humble, yo pa remen parler de tête yo. C'est ça yo fait qui parle pour yo. Et je dis à yo bon une chance. Yo vinn partager vie privée yo, vie professionnelle yo. Avec vous, côté quoi besoin d'inspiration, côté que y a guidé pour capable progresser tout. Mi tant qu'à foi, c'est podium tout haïtien ordinaire qui font un travail extraordinaire. Nous valoriser yo dans mi tant qu'à foi. Salut tout le monde, non pas c'est Marc Ruben, Abdou, bienvenue dans Mitan Kafoua. Mitan Kafoua, nous recevons des haïtiens ordinaires qui ont fait des bagages extraordinaires, des mondes qui pas parlé de tête, mais c'est ça yo fait qui parle pour yo. Yo viennent partager expérience vie privée yo et vie professionnelle yo. Yo dit à la bonne jeune dame qui font expérience et qui change et dans le pays après ça les qu'on livre pour le montrer comment le monde que le rencontre, le pays que le visite, a gagne plus l'influence sous ville et ça peut le permettre que les vins plus bons que j'en ai, ça nous capable de les améliorer. Et son récit qui gagne plus de détails et détails ça yo là pour inspirer ou pour montrer ou tout sous gagne des défis dans vie ou sous besoin apprendre pour faire expérience et apprendre de l'expérience. Pas apprendre des fois, on dit échec, mais pas un échec. Ce qui arrive, son leçon liée, ou apprendre de lui, ça va permettre de transformer, ou vin pi bon pour tête, ou vin pi bon pour le monde qui est dans l'alentour, ou vin pi bon pour le pays, ou capable d'influencer l'autre monde, puis ou vin pi bon que j'en veux. Auteur, alors m'a dit autrice, pas vrai? Écrivain, m'a dit écrivain. Il est Vanessa François. Livre là, il est Le Sénégal, une expérience qui transforme. Il pral parler nous de expérience ça, comment que le transformer. Alors Vanessa, Nabdou, bienvenue dans Mitan Kafoua. Et nous bien content de recevoir comment il est. Bonjour Marc, bonjour tout le monde, je salue tout le monde. Je suis très content d'avoir vous là. Ça fait longtemps que je m'attends de moment ça. Donc, je suis content, je suis joyeuse parce que je partage le plateau là avant. Alors, c'est que avant que nous commencions à parler de livre, est-ce que vous avez dit qui est Vanessa François, qui côté le fait? Et mon petit détail de vous-même. Non, c'est Vanessa François normalement, moi fait Port-au-Prince et moi grandi dès ma 31, bah j'ai déménagé jusqu'à ce que me quitter Haïti mal vivre Montréal. Et moi c'est seule petite maman et dernier petite papa. Moi sont monde qui joyeuse, qui spontanée, qui aime expérience, qui aime la vie. Moi c'est éducatrice spécialisée et m'a travaillé avec petit monde autiste. Et puis m'a étudié toujours dans le même domaine là, mais plus du côté de travail social et moi fait un certificat en création littéraire justement parce que m'étais écrit mon premier livre, ça m'était réalisé que m'pas de gain trop, m'étais fait en pile faute dans le premier livre là. Et puis là moi fait un certificat à l'UQAM et puis là me fini certificat, me réalisé que et moi voulais continuer faire ça m'a fait écrit. Donc c'est ça en gros. Nous sommes passionnés de la vie. Alors, actuellement, vous vivez au Canada? Oui, actuellement, je vis au Canada. Le gars du Canada et pour garder Haïti, c'est deux pays tout à fait différents, deux cultures tout à fait différentes. Et qui ça qui a attiré ou et beaucoup plus dans le Canada ou qui sont manqués tout de pays ou dans le pays d'Haïti? Bon, moi-même, moi, j'ai mal à Haïti chaque jour dans la vie parce que c'est là que je passe toute enfance, moi, moitié adolescence, moi. Donc, Haïti manque tous les jours, mais Canada, moi, très reconnaissante. Parce que ma vie dans le pays tant que Canada, parce que moi j'ai une sécurité, moi j'ai une opportunité pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour ne pas payer trop cher comparativement avec ici aux États-Unis. Et Canada aussi, parce que c'est un pays qui fait vivre nos femmes, parce que même si je suis à Haïti, je suis jeune, je n'ai pas de travail, je suis juste à l'école, mais
Depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai 20 ans, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à payer les billes. Donc, je suis très reconnaissante pour la maturité au Canada. Mais je n'ai pas gagné en quel pays que je suis pour Haïti. Parce que Haïti, quand je me levé, nous vivons en communauté, c'est là que je fait. Et tout le monde d'Elma 31, c'est famille, c'est amis, c'est maman, c'est papa, c'est cousin, cousine. Mm-hmm. Donc, Haïti, je tous les jours. Mais je suis reconnaissante quand même. Parce que moi, dans le pays, j'ai la sécurité, j'ai la sécurité, travail à minuit. Je fais une série de bagailles. Alors, c'est que vous faites dire que vous écrit deux livres, mais nous n'avons pas parlé de tous les deux, mais nous pouvons parler de ça qui est en face maintenant. C'est Le Sénégal, une expérience qui transforme. Et côté là-dedans, nous parlons de famille, nous faisons expérience voyage, nous parlons de racines. Mm-hmm. Et comment démarche ça a été fait pour te aller visiter l'Afrique? Un pays dans le continent, le Sénégal, et que, qui pourrait permettre que ou qu'on livre de lui-même. Comment ça a commencé? Ok. Bon, histoire livre ça, histoire Sénégal, c'est une histoire qui est vraiment personnelle à moi-même. Et le même dit, il y a des gens qui disent que c'est extraordinaire parce que le mot est 9 ans, le mot est un rêve. Mot est ouais, que je suis dans le pays, côté que je suis mais danser le mot est monde, je suis dans danser avec un paquet de monde. Et puis quand il m'a dit maman ça, m'a dit papa ça que moi rêver mais c'est qui rêve moi fait. Et puis il dit que parce qu'on aime danser, c'est juste subconscient qui a fonctionné. Il me dit non mais et c'est comme si que moi ouais que m'a vécu on bagaille 9 ans. And then me songe le me vinn gagner 20 ans, me pas fin songe net, me fait même rêve là. Exactement. Et puis me toujours dit que bon côté pour m'aller, bon bagaille pour m'aller faire en côté. Et puis, je songeais le map étudier dans le collège éducation spécialisée. L'école m'a dit moi que moi j'ai opportunité pour m'aller finir faire dernière session l'école moyen au non pays, c'est soit c'était yo te présenter en France, Sénégal, Belgique et puis la Suisse. Et puis moi dit sans gratter tête, m'va le Sénégal, c'est Sénégal m'a prend parce que en mal en France déjà, bat moi te voulais vivre yon expérience dans culture là parce que expérience là c'était pour habiter quand il y a un monde Sénégal. So, c'est pas une expérience pour aller dans hôtel 5 étoiles ou pour aller dans Airbnb ou pour habiter quand il y a un monde, ou manger à mon nom, ou vivre exactement comme un monde a vivre. So, là je dis ça, moi dis que OK, pas de problème, moi peux aller. Et puis moi fait toute démarche avec professeur, professeur me signe pour moi, je dis oui, ou supposé aller là, nous pas connait pour qui ça mais gros bagaille, faut qu'on aller là. And then toute bagaille réglé et puis moi arrivé là. Bizarrement, le moi arrivé tout le monde qui me t'ai dans review c'est comme si moi même monde ça le moi arrivé Sénégal so moi dit non gagon moi gon bagarre pour moi faire là and then m'aller travail m'aller dans stage m'aller m'te gagne l'école en ligne on fait ça m'gagne pour me faire et puis par la suite moi dit ça faut me documenter parce que m'pas ca faire rêve deux fois et puis pour moi même monde presque même monde même visage m'te ouais m'te gagne 9 ans hein? Ça fait déjà presque ben, une vingtaine d'années là donc m'pense que c'est comme ça. Et c'est dans le cadre scolaire moi qui vient ben moi création ça. Parce que le map garde le livre là c'est titre là qui attire mon vent. Une expérience qui transforme. Avant que au tal Sénégal qui j'en dé. Peut-être pour mieux comprendre et puis courir acheter le livre là tout pour capable faire même expérience qu'on fait. Qui Jean Vanessa François Théier avant Sénégal et puis après Sénégal, qui ça qui change? Et avant, moi-même, moi, tout le monde qui très, comment je dis ça? Moi, toujours peur en série de bagailles. Tant que là, je suis moi, peur hauteur, moi, peur fait noir. Et moi, je n'ai pas de bagailles qui sont simples dans la vie que je peur en pile. Et puis, parce que j'ai l'impression que moi, peur pour ne pas frapper dans le corps physique, moi, comme si frapper, tomber, ponzo, pas casser, on j'en ai pas comme ça. Avant ma Sénégal, je songeais m'étais comme ça. Et puis moi j'ai gagné une sorte de négativité côté que et malgré comme son monde qui positif en pile, même pas bay menti que bon côté négatif moi j'ai gagné que ben moi va sortir là oui, peut-être moi font accident. Oui, m'a prend avion là, peut-être m'a pas tourner. You know, c'était un genre de bagarre comme ça qui mettait mon stress que m'a pas supposé gagner. So le moi arrivé Sénégal, moi marcher en fait noir. OK? Et moi machine là oui côté machine a couru sous comme si on traversait la rue machine n'a frappé et puis me vienne développer des techniques le machine n'a venir me traverser vite you know et puis moi gagne une expérience moi t'ai fait tout m't'aller dans
on baguette un parc de jouets de Timoun. Et puis, il y a un ami qui dit, ah, nous allons monter un jouet, monter, tu as un manège, j'ai le bail ça. Et puis, moi, je dis, non, je ne vais pas monter bail ça trois fois, que m'a prêté. Pourquoi ça me va monter bail ça? Il dit, non, 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 non. Et, ouais, pour qu'il ne peut pas aller vite. Et puis, il a monté, il va faire le tour, il va aller vite. Et puis, il me descend, il dit, même pas mourir, il n'y a rien. Qui s'est passé? Pourquoi ça me toujours peur comme ça? Ça, c'est une bagaille qui changeait. Et then, ça qui plus changeait que me content, c'est que moi accepter peut-être moins plus qu'une femme noire. Moi compte qui valeur que me gagne qu'une femme haïtienne, une femme d'origine africaine. Parce que lorsque c'est l'île de Gorée, en côté où qu'on a vendu monde, en côté où t'es qu'on les nous esclaves, où t'es qu'on a jeté nous dans la mer, là qu'on y a venu réaliser que nous sommes si loin, c'est monde ça qui permet que je dis à éducatrice spécialisée, mon auteur, il y a une femme qui a médecin, il y a un monde qui a fait toute qualité de bagage qui est capable de manger, je dis. Hein. Parce que justement, ce sacrifice, ça, c'est venir prendre conscience de ça et venir accepter tellement plus comme une fille noire. You know? Et ça qui touche, mon Dieu, je vais aller net aller, oui, Marc. Ça qui touche, c'est que moi, j'ai joué une série de belles petits mondes qui t'ont dit me consent que, oh, il y a une belle couleur de peau, il y a une belle cheveux, and then. Parce que Sénégal, mon yo, plus ou moins plus foncé, parce que nous, nous-mêmes haïtiens. And then, comme si, me dit, quête, regardez qui gentil, mon yo. L'homme t'es Haïti, m'te comme ça, tout, l'homme, on peut piquer les passèmes. J'ai toujours pensé, mon nan plus passèmes, là. Et puis, je viens réaliser, non, 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 pas de monde qui plus passèmes, nous toutes ces noirs, nous toutes sortes en seul côté. Il y a un paquet de bagages qui changent, non, moi, comme si, moi, je viens plus humaine, je viens plus rêver, mon, je viens plus tendée, je viens plus, comme si. Waouh, ça, ça m'a aidé tout le monde dans le monde, dommage que je ne sois pas capable. Mais c'est un changement de vie plus calme. J'ai retrouvé mon calme. Je veux un calme que je me tape chercher. Pas de stress, mon peur va mourir. You know? Je suis calme. Comme si vous venez accepter ce samedi qui va arriver, la couleur de ma terre, c'est ça? Et quand on retrouve racine. Exactement. Mais au niveau culture, au niveau coutume, l'arrivée en tant que haïtienne, nous avons une façon que nous vivons en Haïti, ou vivons au Canada, nous avons une façon que nous obligés de faire une adaptation. Mais l'arrivée, nous avons gardé coutume et coutume pas nous. Qui ça qui semblait et qui ça qui différent? Ça, c'est une belle question parce que justement, le dit Afrique, moi, j'ai gagné deux, trois et mon groupe qui était parti avec moi, qui c'est des Canadiennes blanches. Et puis, il a dit, oh mon Dieu, il n'y a pas de difficulté. Moi-même, j'étais tout excitée. Il me dit, non, bah, pas de difficulté parce que je m'en vais en Afrique. C'est ma race, ma nationalité, c'est comme ma C'est comme chez famille, moi. c'est comme chez moi. Mais l'homme arrivait me réaliser que moi, j'ai un accent. Okay? L'homme a parlé, il m'a toujours dit que bon, je parlais français tant que tout le monde, mais me réaliser que le mauvais bouche, moi, je parlais, moi, il a dit, ah, il n'y a pas. N'est pas sorti dans le pays ça. Et le sens de la famille, ça c'est très très similaire, bagaille semblé en pile. Comme Kounia a dit, Haïti changé en pile. Mais le moment où je suis vivant à Haïti, je suis timoun, voisine moi qu'on bon manger, voisine moi qu'on surveiller, mon série de bagaille pas de café. Et Sénégal, c'est encore ça. Et je songe, le suis petit, grand-mère qui habitait dans Kailan, maman, tonton, nous tous habité dans Kailan. Et Sénégal, côté je suis vivant là, gen maman, gen papa, gen grand-mère, gen petite-petite. Ça, c'est très similaire. Qui ça qui est différent? C'est au niveau de la religion. Sénégal, son pays qui est musulman. Chaque vendredi, moun yo allé dans la mosquée. Il y a quelques moun le dimanche qui allé dans l'église catholique. Et malheureusement, Haïti, je pense que les bagay protestants, catholiques, comme si yo pas. C'est pour un pays. Je pas trouvé que Haïti, son pays vraiment qui est si religieux que ça. C'est comme si nous avons dit, oui, il y a un pile catholique, il y a un pile protestant, mais le Sénégal, c'est un pays musulman. Oui, il y a quelques, on dit 5%, on dit 4% de monde qui sont capables de protestants, mais ils ont vraiment valorisé la religion musulmane. Ils focus sur cette religion-là. Et puis, le vendredi, ils prennent la mosquée, ils sont habillés, et puis ils font la prière 5 fois par jour. Presque tout le monde. Gon lè ki rive ou pa pou personne nan la rue, presque, tout moun a fè la prière. Et même si moun nan gon business, moun nan fermé, depuis lè arrivé pou la prière, même si nou nan l'école nan travail nan, moun yo al prière. Ça c'est très différent, m'pa kwe que Haïti gagne toute la prière sans que moun bal fermé business. Non, m'touve c'est très différent.
Et puis, qui ça qui est différent comme trouver, c'est. Il n'est pas différent trop, non, mais c'est. Éducation Timounio presque même, mais Sénégal, moi, ouais, Timounio, style après les mondes tonton, tati. Haïti, ça a été changé. Dernière fois, en Haïti en 2018, nous avons saisi, ouais, une série de jeunes Timoun qui grand. Ok. Mais Sénégal, Timoun, il vraiment suivre parents, il vraiment suivre culture là. Et des fois, on sait que vous pas supposé faire sexe avant le mariage. Il y a plein de monde qui ne peut pas faire parce que bon rituel, l'oral marié. Ou supposé, nègre supposé porter. En tout cas, je ne vais pas entrer dans trop de détails, il y en a un livre là. Mais c'est des bagailles côté que Timounio suivent un cheminement plus, c'est légal, me trouver. Ok? C'est comme ou sont Timoun, ou sont adolescents, ou viennent adulte. Mais Haïti, malheureusement, bah, on est dans cette situation payante. Des fois, Timounio saute stade adolescent. Ils font Timoun, ils font petit patin adolescent, ils viennent grand monde tout de suite parce qu'ils dépendent de tête. Vous dites que c'est un pays de musulmans, ou même ou pas musulmans, et comment vous recevez, puisque vous n'êtes pas dans la religion, hein? Et comment essayer d'adapter tout ce si que vous mettez le concept à la façon que vous avez? Bon, au départ, il était très difficile pour moi, parce que vous avez pris le principe, vous avez rentré la caillou, ou tu sous le bon, Canada, c'est comme ça aussi, mais. Tout bagage est supposé propre, nous avons eu des difficultés parce que des fois, le monde a prié, nous avons eu à entrer dans le canon, nous avons eu à entrer et nous avons eu à entrer, nous fatigué. Et ça a été très difficile pour moi. Comment t'as adapté? Je pense avec les parce que je fais 3 mois. Après un mois, je pense que nous avons dit, ok, bon, je suis so sorry, mais des fois, je suis entré, je suis obligé d'entrer, je suis entré sous point de pied, mais je suis entré. Des fois, moi-même, moi dis autour, moi c'est chrétienne et je pas prier fort, mais je me déplace, je vais à l'église le dimanche. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je suis très compréhensif, très tolérant, parce que dans le pays, il y a des protestants, il y a des gens qui sont à l'église catholique. Tout. Donc, ça vient de passer, puisque dans le pays, il y a l'autre type de monde, au contraire, je suis rentré pour aller à l'église pour aller. Mais au début, c'était très très difficile parce que je n'ai pas fini de comprendre qui s'est fait tout le temps, pour tout le temps, prier 5 fois par jour, qui s'est dit parce que j'ai une façon de prier, je mettais tout le corps à terre, et puis je me disais, est-ce que bon Dieu m'a dit tout ça, je suis rentré dans le jugement, vous comprenez? Mais par la suite, je me dis, bon, bon Dieu, c'est bon Dieu, mon arrêt, les gens voulaient, et puis la vie continue. Et que, n'a pas regardé, vous dites que le Sénégal fait partie de ces pays où l'on vit ensemble. Dans une maison, on peut retrouver le père de famille avec ses enfants, ses parents, donc les grands-parents, les frères et sœurs, leurs enfants, et j'en passe. Je veux dire que l'OAP gardé, est-ce que l'assemblée avec nous, côté que Mounio vive, c'est comme si vous dit que Mounio vive dans la cour. Oui, c'est très bon, il est très semblable avec nous, Haïti, dès qu'on est, bien entendu. Et tout le monde mange ensemble, et puis d'ailleurs, tout le monde mange dans une seule assiette. Donc, là, on a mangé, gagné tout le monde dans le canal qui descend ou bien qui monte parce que c'est des gros kaito. Et tout le monde vient, chaque monde gagne un gros assiette, chaque monde gagne cuillère en main, il a mangé partie devant par yon. D'ailleurs, si on fait qu'on s'en va le prendre par un monde, c'est mal élevé. Donc, tout le monde a vivre ensemble. C'est ça qui est en face pour moi. Si moi, je suis en face. Oui, quand on fait tant que l'œuvre, moi, pour qu'on plein, je fais un petit bail comme ça. Et puis, je prends dans ça qui est à côté maintenant. Même pas faire pour toi comprendre, mais comme yon remè, le moun a mangé dans le pays, yon remè, le moun a mangé en pile. So yon toujours a poussé, tu manges, ben moi, pas, moi, tu manges, manger, manger, manger. Mais c'est plus au niveau de tout le monde dans le pays. Des fois, c'est si pas toute famille ça dans le pays, il y a un jour spécial que vous avez tout le monde. Petit, petit, petit. Tout le monde a besoin tout le monde, par exemple, le samedi, le dimanche ou le vendredi, jour mosquée, on a besoin tout le monde. Ça veut dire que. Si je sais comprendre, c'est que la caille nous fait manger à côté que nous marchons baïli à voisin et nous voulons le baï ma tante. Mais eux-mêmes, c'est tout le monde qui réunit, ils mettent une grosse assiette pour que ça ne t'arrive à la caille nous. Et les gens qui habituent avec la province sont gamel et puis ils mettent et puis tout le monde a mangé ensemble. Oui. Sans problème, sans difficulté. Oui. Sans problème du tout. Il m'a posé question pour Corona parce que m'te Corona était prendre l'autre bord. Et le me rivé et puis me dit comment nous faire parce que je dis nous c'était manger ensemble. Wow.
Wow. Mais c'est que vous parlez de retrouver racine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est tout ça dans le livre là que. Racine, moi, qui ça me plaisir par là? C'est comme moi apprendre l'histoire de qui est-ce que t'es sorti, qui est-ce moi. Parce que je connais que oui, l'histoire de l'esclavage en Haïti, on a parlé de l'histoire des Noirs, Toussaint l'Ouverture, et Bois Caïman, tout le genre de bagaille, ça y est. Mais le moment arrivé, mettre pied sous côté esclave, tu as vivre là. M'a pas apprendre de l'histoire ça de la maison des esclaves, côté que colons ont habité en l'air, et puis esclaves en bas. Une série de petites chambres, montrer là-dedans, une série de petites cellules, l'eau presque dans les yeux. Je me dis, comment faire? Moun a vivre dans ces cellules qui pas. C'est impossible. Je dis, oui, c'est possible parce que, en plus, le vent, ça me vient apprendre, ça fait pas longtemps. Dans la tête, je me pense que c'est colons qui étaient juste débarqués. Et puis, prendre mon yo, faire retourner esclaves, je me dis que c'est même mon yo qui était devant nous. Ça, je ne savais pas. Donc, je vais apprendre de racines, je vais apprendre de frère Maxime et tout. Tout cas, je vais apprendre de frère Maxime, de manière qui n'est pas normale. Je vais comprendre. Et c'est même ça m'a gardé, je vais mettre en train de politique. Jusqu'à date, nous gagnons une histoire, nous gagnons un lien avec ça. Pour intérêt, l'autre là, même le monde qui gagne même propre sang, voilà. Les cas fait n'importe quoi, les cas baillou, les cas, I don't know, you know. Et m'a regardé mal apprendre de ça, me dit, waouh, regardez toute misère nous passer. Mal apprendre dans une série de monde que moi, pas de connaît. Mal apprendre, dans le même temps, Sénégal, il n'y a pas de Bénin, il n'y a pas de Ghana, que la traité des Noirs, tu sais, c'est des choses que pas de connaît vraiment. Alors qu'Haïti, dès qu'on étudie, entre dans la tête, moi, après ça, me finit d'étudier les sorties, mais là, moi, vive-les. Moi, regarder la porte de non-retour. De pour passer n'importe quoi en Amérique, en tant qu'être humain, ou pas tourner ou sous ton marchandise. Vous comprenez? Donc, c'est ça que qui racine moi, m'apprendre de ça qui passait des ancêtres, moi. Wow. Et ça que vous apprenez dans mes Africains qui a des vérités que peut-être nous-mêmes nous pas dit. Exactement. Ok. Est-ce que c'est là que ma point extrait dans le livre là qui est important pour acheter? Ça fait deuxième extrait. Ne laisse personne te faire oublier d'où tu viens. Que toute situation qui se présente à toi te rappelle que tes ancêtres ont vécu le pire. Oh wow, j'ai écrit ça. Mais l'autre dit assurément que vous pensez à pays, vous pensez à Canada, vous pensez avec les États-Unis, côté que le racisme est vif. Et moun vive chaque jour. Mais l'arrivée Sénégal, et puis on va penser le racisme, que ouais. Et comment expliquer Yol et comment comprendre? Comment moi expliquer mon Sénégal qui s'acquiert raciste là? Ben moi-même, moi gagne un bagage que moi plus vive, que moi plus parler de lui, c'est raciste systémique là. Et moi-même, personnellement, pas un monde qui vive raciste directement. Parce que le Canada a une série de lois, et désolé pour un monde, je compte toutes les lois ça dans la tête. Parce que ça m'a fait comme travail, ça m'a étudié, c'est ça me fait, moi défendre droit monde. Et donc, comment m'expliquer mon racisme? Moi, plus parler de racisme systémique. Là. Par exemple, si moi, toujours dis au conseil que, ou bon nom africain, mon bon nom haïtien, l'ovo et un papier dans l'université, écoute, bat pour gagner 90%. Parce que veux pas, il existait. Moi-même, pour m'arriver côté mien, là, dans l'école, moi particulièrement, je passe pour un paquet de chemin. Je fais zigzag, je ne vais pas aller tout droit. Parce que justement, je n'ai pas de 90 là au départ. Quand j'ai gagné A plus là, quand j'ai gagné fait. C'est comme ça m'expliquer, au moins dire que battre pour toujours en l'air. Parce que veux pas là, bagarre là. Quand j'ai gagné des lois, c'est sûr que mon n'a pas parlé du. Je déteste le noir. Je ne veux pas mon noir. Mais il y a des gestes mon n'a fait, il y a des mépris mon n'a fait, mais c'est exactement ça que je veux dire. Vous comprenez ça aux gens? Moi-même, m'expliquer si mon yon, l'un dit comme ça que, oh Vanessa, vous avez belle cheveux, Vanessa, nous t'en avons même j'avoue. Je me dis, je ne sais pas si je suis plus jeune en Haïti. Ce n'est pas bon.
Parce que soit on fait ça, c'est une sorte de racisme qu'on fait avec tel ou tout. So, racisme, il existait, même plus parler de racisme systémique. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression que dans tout pays à travers le monde, et le blanc, là, il y a un peu de valeur. OK? Parce que je ne sais pas si c'est l'étranger qui est comme dans un pays comme Haïti ou Sénégal. C'est l'étranger parce que c'est son monde qui est différent avec nous. Tout le monde toujours, c'est comme si c'est wow. Mais en réalité, c'est sans, nous avons même sans. Mm-hmm. C'est ça que toujours fait si nous comprendre. Si nous sommes blessé, c'est sans cap couler assez rouge lié. Vous comprenez ça, non? Donc, malé non raciste dans un sens, pour moi, dire, sois fier de qui tu es en tant que peuple noir parce que vous une belle histoire. Mm-hmm. Ou fait pour m'pas jamais encourager violence, m'pas jamais encourager agressivité, mais ou fait pour jam. Mm-hmm. OK, parce que si qu'on pas jam, il y a marché sur vous, il y a fois qu'on est que ou indifférent ou puis bas parce que monde qui a pas de couleur. Ou pas tant de monde valider ou sur valider. Exactement, valide exactement. Mais l'affaire c'est que dans validation ça, c'est le petit monde en dit comme ça que et oh, intel si bien l'autre même couleur, pas gain même couleur avec intel son on comprend pas veut trop parler de ça, on m'a pas les créole tout anyways. Mm-hmm. Ou pas entrer dans question de préjugés exactement de parce que gain monde tout qui utilise mon racisme là pour défendre pour comme excuse. Mm-hmm. Parce que moi-même toujours dis ça, toujours presque non top of my game comme c'est me décadou là dans l'école m'a toujours battre pour parmi les meilleurs, parmi les 5. So, le bon bagage qui passait, m'pa jenon note qui bien. M'a dit "Hey monsieur, professeur, est-ce que vous pouvez vérifier pour moi s'il vous plaît parce que ça c'est pas note moi." Mm-hmm. Mais gen moun nan ki pa fè effort. Hein? OK? Ki pa dépasser tête li et puis n'importe bagage la bzou intel c'est raciste. Mais gen moun nan tout, gen moun nan ki just pa remel pa remon, mais li just timide, just introverti, mm-hmm. just pa remel parler. Ça pas veut dire que automatiquement moun nan raciste, mais il faut apprendre à comprendre, à voir, à observer les gens. Et puis, on va voir si c'est du racisme ou pas. Il y a deux mots qu'on va apprendre et comprendre. Mm. Ça mène à voyage. Aller à l'école, ou apprendre. Mm-hmm. Parler avec le monde, ou apprendre. Mais il paraît que voyager, c'est une bagaille qui apprend le monde en pile bagaille. Et si m'ka pour exemple peut-être ou vin tolérant mm-hmm. par rapport à moun yo nan religion pa yo ki jan coutume yo ye ki sa yo fait et puis ou tolérer yo et pour essayer apprendre et adapter yo ki sa voyage apprendre encore. Oh ben voyage premièrement voyage déstressé. Et regardez moi Miami, m'a levé bonheur, me coucher dans la cabane moi. Bon, ça sont parti et gon, c'est comme si que gon chai moi pas gagné sous dôme. Et voyage apprendre moi plus socialiser avec mon tout. Parce que gagne des fois, c'est pas tout l'heure on veut socialiser avec mon bamba tête moment, c'est pas tout l'heure gagne des fois me focus dans livre moi, me focus dans affaire, mais voyager montrer que moi capable parler avec tout le monde. OK? Voyager, bon mon ouverture côté que et manger un m'pa faire yak dégueulasse manger pas bon non ça sont manger telle culture ça sont manger tel pays il doit pas aller dans goum mais ça pas veut dire pour me dire que ouch manger pas bon comme si pour me dénigrer. Mm-hmm. Comprendre oui c'est ça mais ça apprend moi tout comprendre que hey cette ouverture là il faut l'avoir parce que soit voyager pas côté toute qualité du monde donc c'est ça, c'est cette ouverture-là, je pense que voyager, ben moi. Qui ça retourne avec le sorti Sénégal et qui arrive pour retourner au Canada, qui aide au en pile? Et bon, le calme, c'est me qui a dit ça, parce que l'homme tourne, me fait que fini collège, moi, et deuxième degré collège, moi, et puis, il y aurait l'homme pour me travailler dans l'hôpital. Mm-hmm. OK? Et puis? En COVID 2020. So, l'homme rivé mal passé en entrevue, il dit qui l'a commencé. Il dit et il a commencé dans 2 mois. Il dit non, a commencé qu'on y a parce que on fait entrevue ou passer. So l'homme rivé, il a commencé à travailler dans l'hôpital qui gagne des cas de COVID et nous devons comprendre que ça c'était COVID. Et Marc m'a pris moins calme parce que Sénégal, mon yo pas pressé, même genre avec Canada. Sénégal, mon yo prend temps yo prend temps pour lever le matin, pour manger,
des fois c'est un petit peu dérangeant aussi pour moi parce que souvent des gens, par exemple dans l'école moi t'as travaillé, on me dit mon on besoin tel bagage pour aider, je dis ok, pas un problème. Une semaine plus tard, je me dis est-ce que tu penses à ça, me dit oui, il n'a rien temps, ok, mais yo calme, yo calme, ça a un inconvénient tout, même penser que c'est calme ça que Canada et Sénégal ben moi m'pas dans tête chaud, m'pas dans ouf, moi relax. Mais c'est deux sociétés tout à fait différentes. Il y a une vitesse qui est tout à fait différente, peut-être. Exactement. Mais est-ce que au niveau de réalisation, est-ce que ils sont au même niveau? Et là, regardez-vous. Non. Une belle bagarre au venir avec là. J'aime penser à ça vraiment. Parce que je toujours pensé que. Sénégal a toujours été Sénégal, l'Afrique a toujours été l'Afrique, et puis Amérique a toujours été Amérique, qui n'a pas jamais semblé du tout, du tout. Mais c'est dans la réalisation que nous voulons. Est-ce que la rapidité qui vient dans la société que nous vivons là, et puis le calme, la sérénité que nous savons, est-ce que le progrès n'est pas arrivé? Je ne sais pas quoi, le progrès est arrivé même. Je pense que, en même temps, Amérique là, time is money, tout bagage c'est dans le temps. Hey, le matin me lever là 8h pour l'école. 15h fini. Après ça, m'aller dans travail. Là me fin sur travail pour m'entrer, pour me dormir. Après ça demain matin mon routine. Mais ça aide tout pour me débrouiller. OK? Mais l'autre bon mon yo prend temps yo, des fois ça peut ressembler à de la paresse. Ça peut ressembler à ce que oups, dans réalisation ça prend. Au Canada, ça va vite. Au Sénégal, ça va moins vite. Parce que, m'a dit que, côté Wiki, ou après, c'est plus que Koblen. Yeah, bien comme ça. C'est Sénégal quoi, comme ça? Oui, je suis toujours son monde qui essayait le plus pour moi reconnaissant à toute bagarre dans la vie. Mais des fois, je suis en train de plein en pile. Oh mon Dieu, j'ai besoin de tel bagage là. Mais quand je pense que je dis, ah, je perds l'opportunité ça, même je n'en l'autre. Et où exprimer satisfaction plus souvent au lieu que vous vivez dans la rancune? Oui, mais exprimer satisfaction, mettez la dedans, mais ça vient de l'autre livre moyen qui parlait du pardon, bref. Mais moi, j'essaie de vivre non énergie côté que. Moi dis merci chaque jour, moi souris avec mon dans la rue, me font mon monde dans la rue compliment et puis le moi satisfait dans bagaille moi exprimer ça que me pas non. C'est que m'a regardé que ou dédié livre ça le Sénégal une expérience qui transforme par contre si monsieur Cap prend et livre bien la caméra et qui est disponible pour mon acheter mais qui côté venir. Il est disponible sur Amazon et maison d'édition relé L'Harmattan Sénégal, il y a L'Harmattan Paris aussi. Donc depuis aller sur Google, il mettait le Sénégal, une expérience qui transforme. Il y a joindre dans bibliothèque, il y a joindre dans librairie en France, au Sénégal et dans quelques pays dans l'Afrique, mais sur Amazon c'est rapide vite. Alors c'est que où dédié livre là à Matantou. Oui. Qui genre de monde que Matantou t'aie qui expérience qu'on fait avec? Et Matantou, moi c'est Tati. Genre marqué ou alors? Ok. Matantou, moi c'est Tati Mireille François qui mourit en 2020. Et il était son monde qui était aimé lecture, il était un nutritionniste. Et puis jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans, qu'elle ait fait doctorat. Il était remis le livre en pile et l'autre était malade. Il était toujours dit portez livre pour moi, portez livre pour moi pour me lire, portez livre qui est bien positif parce que m'a guéri. Portez livre et puis livre ça c'est comme si que me senti c'est premier monde qui pour ta lire, l'autre premier livre moi était lire tout. So ça t'a marqué, m'a pas calé l'enterrement, c'était New York et à cause de Covid là m'a pas nous pas aller. Donc m'était voulu bal hommage ça quelque soit côté lire qu'on y a li kawe que on pense avec. Parce que vous parlez de premier livre là, et qui c'était? Ton bonheur au bout du tunnel. Ok. Et qui côté inspiration ça sortit et qui ça la donne? Parce que ces deux livres, si vous n'avez pas acheté Le Sénégal, une expérience qui transforme, on croit que vous avez le premier livre là tout.
Ok, où est-il encore? Ton bonheur au bout du tunnel. C'est un livre que m'écrit sur le pardon, mais toujours dit ça, moi-même, pas de j'aime l'écrire. Et puis, livre ça, c'est comme si c'est une sorte de thérapie que fait avec moi. Et moi, écrit sur le pardon, pour qui ça est important pour pardonner, et qui ça qui le pardon exactement, pour qui ça, il y a des gens qui sont différents, des gens qui pardonnent vite, des gens qui ne pardonnent pas vite. Donc, et c'est quoi le pardon? Ben, le pardon, c'est capacité de comprendre que, spirituellement pour moi, que personne n'est pas parfait, que bon Dieu pardonne chaque jour tout péché que je fais. Et puis, si mon Dieu pardonne, je pardonne l'autre. Le pardon, c'est vraiment son degré de maturité qui est fort, en pile, en pile, en pile. Son degré de maturité qui dure en sa queue pour bien être moi. Je m'ai quitté sa marché, je m'ai quitté l'aller, je m'ai pardonné. Mais ce n'est pas un bagage qui est facile, c'est quelque chose qui s'apprend jour après jour. Ce n'est pas un bagage au cas où tu as fait tout. Je dis en l'âme décidé, je vais pardonner au monde. Son bagage au café pendant des son années, processus. Son processus. Donc, c'est ça. Et au fin de dire, au niveau écrit livre, c'est pour moi que. Qui ça qui était jamais dans la tête ou qui ça qui mène là? Mais c'est justement l'expérience que je fais parce que moi-même, moi, tout le monde qui était très susceptible en pile, je me fâché. Mais pas moi, je me fâché. Sensible, je me dis comme ça. N'importe qui bagaille touché. On dit émotionnel. Émotionnel, voilà. Quand j'étais plus jeune, hein. Donc, et grand pile bagaille que je me supposé fâché pour eux, que je me prends très personnel. Et je me songe que tu es comme un intérêt en pile, qui t'es brisé que. Et puis, tu dis que je ne vais pas pardonner, je ne vais pas comme ça. Mais dans l'école, moi, je t'ai étudié, je t'ai toujours mis les professeurs disponibles pour nous, pour conseiller nous. Et puis, le professeur m'a toujours dit comme ça que qui sont mes faits pour capable de retrouver la paix ou pour capable de dire que ah, je vais chanter. Je dis que je vais me faire. Qui a quitté un marque ou qui a quitté un bagage, je dis oui, je vais écrire parce que je t'ai toujours eu une bonne note en français. Et puis, le professeur m'a dit que écrit. Écrit soit senti. Et puis, je commence à écrire sur le pardon. Et puis, un jour, je décide que bon, je vais faire le livre dans tout le livre. C'est pour ça que le livre, ça, il y a un pile pot la donne. Faute mais qui sont les fautes? Ben, c'est juste que le livre n'est pas très structuré. C'est comme si que moi, je dis tout bagaille. Tu vois, le Sénégal, c'est une expérience qui transforme. Il y a des chapitres. T'as comme des cas où là, m'a parlé de la culture, les coutumes, les affaires de même. Mais dans le livre, ça me donne l'impression que je pas vraiment. De toute façon, le premier livre-là, je fais auto-édition. Ça veut dire que je paye pour méditer le livre. Je paye au monde pour imprimer. Je paye des gens pour corriger là. Je ne fais rien, je juste bailler dans la maison d'édition. Ça veut dire qu'on pardonne des têtes pour ça? Oui, oui. Et c'est ça qui fait que, parce que moi, j'ai fait une expérience avec un monde. Et puis, moi, je dis à mon que, vous connaissez, l'offre qui a commencé, ou a écrit ce livre, ou a essayé, ou a cherché, ou a cherché. Et puis, grand monde, moi, j'ai demandé pour faire mon interview sur le livre-là. Et puis, moi, le livre-là, il dit comme ça que, oh, et livre ça, ah, livre-là pas bon. Il dit, ah oui, comment ça, livre-là pas bon? Oh non, pas ouais chapitre, pas ouais bagarre, même comprendre mon entour, son monde qui très droite, direct et tout. Et puis tiens, livre là pas bon. Il me dit oh, OK, pas un problème. On joue appeler mon livre de moins, ou pas jamais dire ça encore. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors c'est que au son monde qui gagne des experts, gagne des bail qui vivait ou servir avec pour capable faire qui ça. Pour me transformer tête moi pour me better and better every day. Alors c'est que l'état important peut-être pas peut-être vous t'a appelé mon yo et abonner la chaîne YouTube Mitan Kafoua et faites un lien avec nous sur Facebook et suivez nous et puis achetez deux livres Vanessa François écrit le Sénégal une expérience qui transforme et puis ton bonheur au bout du tunnel. C'est que, je crois que l'important pour nous faire un message, ça passe alors. Par contre, sois d'accord avec moi. Les gens viennent avec une certaine créativité et ils essaient de faire un bagage qui sont capables d'aider l'autre monde sans que le power tête lui. Et surtout, partager, inspirer, motiver. L'important est pour nous pas courir du monde ça le fait pas bon et autant que doit dire monde il était mieux
Et ça va l'encourager parce que des fois nous faisons et puis nous décourager le monde. Et pourtant, le monde a tellement de choses pour l'offrir. Et puis, le monde a à l'école parce que les face à une déception. Ce n'est pas nous tous pas la même capacité pour accepter la critique. Moi-même, je dis mon bagage. Et puis, je me gâteau et puis ça pas fait rien. Et pour qu'on dise l'autre monde même bagaille là, puis ça dérange et puis son vie et qui gâchait et détruit. Sans que ce n'est pas ça que vous êtes capable de faire. Mais des mots d'encouragement. Et je crois que l'étape mieux et que des fois et nous sommes capables de faire. Mais dans la vie au Kounia, après deux livres, ça y est, ou chita, ou repasser dans la tête. Ou. Ou analyser. Est-ce que vous avez regardé Vanessa François? Qui ça vous dit tête? Qui j'en sens tout? Et je suis so dit en pile, ça touche, merci. Et justement, pour me faire une introduction, livre, ça, premier livre, deuxième livre, ça m'écrit, c'est après que je me fais certificat. Et premier, c'est lui-même qui poussait mal dans l'université à faire un certificat en création littéraire. So, je dis à ma gade tête, moi, à mon âge, moi, très satisfaite de qui je suis, moi, très satisfaite de côté me sortir parce que moi, je suis un petit monde, je suis un jeune Haïti. Et puis, je me suis toujours dit, maman, je vais voyager dans le monde, je vais faire des grandes choses. Et puis, maman me dit, yes, ok, pas un problème. Pas un problème, pitam. Et puis, l'homme réalisé que, waouh, Vanessa, où est qu'on livre? Waouh, Vanessa. Et moi, très, très satisfaite. Et c'est pour ça que l'expérience Sénégal n'a fait que, moi, accepte moi 100%. M'accepte jambes look, m'accepte couleur peau, m'accepte jambes cheveux me fait, tête graine, m'accepte toute bagaille. Et moi, vraiment satisfaite de m'abgarder parcours. Moi, dit, merci, bon Dieu, je suis fière de Vanessa. Qui genre de relation qu'on a à maman? De toute façon, qu'on dit là. Même son seule petite maman, so, bah, ça n'a pas fait longtemps que ma vie, pourquoi? Moi, j'étais toujours vivre avec maman depuis longtemps. Bah, jamais me séparer avec maman. So. C'est ce monde qui est dans la vie. C'est le monde qui me connaît que, qui a fait tout le pour moi, qui a fait la ville pour moi. C'est le monde qui a gagné comme si je me suis pas j'aime gon relation tant que vous me dit maman toute bagaille parce que si comme ça moyen moi pas dit monde toute bagaille mais moi son monde parce que me toujours penser que même si on petit monde ou comme ça avec maman bien ami avec maman ou bien papa on conseil de bagaille qui était personnel pas gain relation pour me dire monde toute bagaille là avec peut-être qu'il y en a deux monde dans la vie bagaille là en pile monde même très tant que me t'ai cas là oh mon dieu maman c'est comme si me senti son parti dans moi ah, je ne sais pas comment expliquer parce que nous pas jamais gain l'autre monde dans mi-temps nous vraiment à part papa bien sûr mais c'est comme si nous font seul. Petit en général. Mon cas par exemple dans sous tête mais gain des bagages toujours à répéter et c'est papa qui était qu'on a dire. Et dernière conversation que me te gain à papa et le papa me te dit pas en mettre de la vie pour pas faire colère ou. Et ça arrive avec moi chaque jour et mandé d'explication et t'expliquer monsieur ça veut dire mais ce que des bagailles que maman dit et que quel que soit côté où aller mais toujours et répéter ou toujours dans tête ou tout n'est que vanité bah j'oublie c'est comme si son bagaille d'a font tatouage en côté ça c'est parole maman tout n'est que vanité petit regardez bah ça yo comme si des fois on a dit oui oh, je t'en remets pour me taper, oh, je t'en remets pour me ta 10, pour me ta date. C'est tout n'est que vanité. Même cobre, c'est vanité. Cobre, elle pourrit dans la poussière. Pas tourner poussière encore. Comme si la bagaille, des fois, des bagailles luxe. Oh oui, besoin de belle machine, besoin. Vas-y, satisfaire, soit gagné. Parce que tout n'est que vanité. Tout côté me passé, des fois, je suis allé en côté et puis, je me dis, quête. Pour que ça me fâche comme ça, une situation comme ça, et puis me dit, ah, tout n'est que vanité, tout ne fait que passer, même les émotions. Donc, dans la vie, qui c'est qui est important pour vous? Maman. Relation avec mon Dieu, très, très important pour moi. Et
éducation parce que déjà il y a des gens qui commencent à demander qui leur marié qui leur fait petite parce qu'on aime l'école ou dis ou date éducation très très important moi-même moi son monde moi pense que l'école depuis le fait beaucoup j'aime quitter l'école m'apprendre plusieurs bagailles et éducation bon Dieu m'pas connaît Marc pour vrai là famille très très important pour moi m'pas qu'à vivre sans famille m'pas capable juste pas capable. Est-ce que vous considérez être tout comme un monde qui a succès? Yes. Et comment définir? Et qui ça fait succès? Parce que peut-être partager avec mon ami dans le café, vous êtes capable d'aider un pile monde. Peut-être prendre route, puis vous êtes capable de gagner succès. Vous êtes plus bon que j'en veux. Moi, mais j'en pose des questions parce que le succès est assez personnel. Mm-hmm. Parce que il y a des gens qui pensent que c'est la popularité, c'est succès. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Moi-même, moi, pense que moi fais succès parce que et moi t'ai gon paquet de rêves que m'étais gagné le petit monde moi réaliser tout. OK, par exemple et voyager au Sénégal. Ça sont succès pour moi parce que moi réaliser dans la vie et l'école moi gagne moi toujours dire que ou trop bagaille aller pour camper l'école pour aller faire petit monde pour aller 10 fois là et moi réaliser que ça m'était voulu étudier yo moins fait tout des fois moins juste pas quoi que comme si tout ça me réveillant arrivait exactement et m'a regardé tout pour moi comme une jeune fille qui va à l'école qui gagne 5 ans dans l'université qui travaille avec des petits monde qui ont besoin particulier en même temps qu'a écrit livre li, ça sont bel succès pour moi parce que des fois vraiment pas gain temps but moi dit moi classé jodi là m'a saute l'école m'a écrit 5 pages non livre mon prochain livre m'a écrit moi fait ça son bel succès pour moi je pense que moi satisfait avec tout ça m'ai mon petite machine qui pas trop neuf OK mais qui roule bien ça son succès pour moi parce que bon époque n'ta prend boss dans Freddy à Montréal est-ce que vous comprenez moi satisfait parce que bon époque n'ta fait collège moi votre quoi moi même qui t'a un professionnel qui t'a pas le travail. Je dis, hein, mon bon travail, mon bon salaire, donc c'est un bel succès pour moi. Oui. Alors que pour un jeune qui a regardé et que ou t'a allé pour faire une présentation, qui a un rêve pour l'écriture, qui a un rêve pour le vin professionnel, qui a un rêve pour le fond équipe bagay, mais il n'y a pas de route, mais il veut faire une détermination. Ok? Il a un rêve là. Qui sont capables de dire pour que les gens prennent route là et que pour connaître la réussite. Bon, au Canada, c'est toujours dit les beaucoup plus accessible pour une série de bagages. Par exemple, si que vous voulez faire un livre ou bien vous besoin écrit, il y a des ateliers d'écriture, il y a des universités qui bah ou subvention pour faire ça, pour faire depuis qu'on a contact. Dans le cas ça, m'ta dit mon yo chercher qu'on est. OK, et puis mettons tout petit des fois tout pour apprendre. Pas décourager apprendre. Chercher connaître humilité. Oui. Mais pour Haïti parce que me toujours a dit Haïti parce que moi-même moi sorti Haïti. Puis si me car réaliser tête mon comme ça, tout monde car réaliser. Mais pour Haïti, ça me t'a dit au monde c'est pas arrêter chita, pas dit ou pas opportunité là. Travail. C'est pour créer. Créer le travail, moi-même moi quoi dans travail là. Si j'ai besoin d'écrire un livre, ok, mais par contre, si le livre va faire succès, mais j'ai un devoir pour m'écrire. Après ça, pour le passer dans les mains des gens qui peuvent corriger. Après ça, pour la maison d'édition, et puis après, ça l'a fait à la fin. Donc, ce travail est toujours prêt. Commencer. Toujours prêt. Vous comprenez ça, nous ranger, comment on dit, ranger carbone avant de dormir, ranger, toujours prêt, toujours à travailler, et puis ouf. Était positif parce que me songer gade bagam te qu'on a dit m'braler là on fait tout. Alors c'est que c'est lui vous c'est my baby c'est caméra ou et m'a plutôt fait promotion pour le livre là qui nous menons et premier livre là et qui sort du monde. Bon, le Sénégal, une expérience qui transforme, c'est un livre qui sorti dans cœur, qui sorti dans moi, c'est expérience personnelle moi. En même temps, m'a partagé des connaissances sur le pays, sur le continent en général, comme l'Afrique qui sont continent, il est présenté tant que son la misère, la pauvreté, mais son continent qui est extrêmement riche, qui capote en pile bagaille toute qualité de monde,
quel que soit côté sorti, quel que soit couleur peau, nationalité, peu importe, le Sénégal, l'Afrique, capote en pile bagaille pour nous. Donc, ça, m'a invité nous acheter, si nous faisons transformation, même genre avec Vanessa, je dis à nous venons l'autre monde, parce que moi, permet tête moi, pour moi aller dans le pays, côté que je me consacre des fois, lever à 5 heures du matin, à prendre un taxi ou bien marcher pour m'aller dans le travail. Ok? Parce que moi, permet tête moi faire des expériences, côté que je ne pas aimer ou manger, but parce que ma vie, quand je suis obligé de valer pour manger. Vous comprenez? Donc, livre disponible sur Amazon. Il est disponible sur maison de, non, page maison d'édition, là matin le Sénégal. Achetez le livre, encouragez-moi. Ne pas vous dire. Merci. Alors, c'est que, est-ce que vous avez un dernier bagage que vous avez ajouté, peut-être que je ne pas poser aux questions, hein, et que vous avez partager avec nous comme ben, expérience ou bien comme conseil? Je vais plus aller avec conseil là. Je vais juste aller dit. Parce que je suis très. Je dis toujours que je suis une féministe net, mais je suis 50% féministe. Donc, je parle avec les filles sur, et surtout. Je me suis dit aux filles que. J'étais fière de mon nouille, accepter mon nouille. Parce que l'accepter, c'est tout. Mon accepter. Ok? Suspendre, comparer, c'est tout. Avec des gens qui font gros succès. Parce que les gens qui font gros succès. Suspendre, comparer, c'est tout, par exemple. Avec une fille qui a 40 ans qui font gros succès ou même ou fait commencer dans 20 ans, ou voulait faire même genre avec elle. Rete posé, rete tranquille, rete calme, suis ton chemin. Tu as un chemin, suis ton chemin. Parlez personne, passionné de soi faire. Et puis un jour, tant qu'aujourd'hui, on va chita avec Marc dans mes cafés pour parler de livre, pour parler de n'importe bagaille. Et pendant on regarde les caméras là, qu'à profiter du monde non seulement pour vous abonner à Mitan Kafoua, mais pour vous continuer à valoriser tête surtout à Mitan Kafoua. Ma invite nous à abonner avec page YouTube Mitan Kafoua. Subscribe, like, comment, partager et puis continuer à valoriser tête nous à Mitan Kafoua. Nous valorisons à Mitan Kafoua et son belle expérience liée pour moi. Et beaucoup au Sénégal, mais je me fais continent moi-même. Et pas seulement au Sénégal, mais tous les pays d'Afrique. Et comme dit, pour me tourner, et puis je me fais parler avec le monde. Et ça que j'apprécie tout, c'est que moi je demande au monde pour venir partager la vie privée, la vie professionnelle, la vie tant qu'à fois le vini. Et c'est pour moi qui est facile. Valoriser pour ça. Ça l'a fait. On a acheté Livres Vanessa Ligen 2. Le Sénégal, une expérience qui transforme, disponible à Amazon. L'autre livre là. Ton bonheur au bout du tunnel. Et il est disponible en ligne aussi. Mais pour l'instant, vraiment focus dans ton. Et le Sénégal, une expérience qui transforme. Parce que, bon bagay, l'autre bagay, il fait dans moi-même, t'as aimé, il fait dans nous tout. Alors, si quelqu'un qui t'a intéressé, peut-être prendre contact avec vous, un email, côté où vous allez écrire et vous répondre. Je n'ai pas vraiment un email public, un email professionnel. Je suis sur Instagram, à Miss Vanessa. Je ne suis pas sur Facebook, mais c'est regarder la vie, mon petit Jean plus privé que je suis capable. Sur Instagram, moi, c'est Miss Vanessa. Add-moi, texte-moi, je vais répondre, DM-moi, voilà. Vanessa, nous valorisons l'invite à ta fois. Merci pour la participation. Marc, je valorise mon ami Takafoua tout. Merci parce que tu recevras. Alors, valorisez mon ami Takafoua. Valorisez mon ami Takafoua. Merci. D'abdi tout le monde, merci. Vanessa François, le Sénégal, une expérience qui transforme. Il est important pour nous capables de lire parce qu'il y a un pile de détails. Mais c'est un petit extrait. Et pour nous capables de voir comment le livre est intéressant. Et voyager, c'est un moyen de pour faire le faire. Parler avec les gens, son bagage qui est important. Et c'est ça que nous faisons dans Mitan Kafoua. Mener des gens qui viennent partager vie privée, vie professionnelle, pour capable motiver, pour inspirer, pour venir plus bon que Jean hier. Vous comprenez ça n'a fait? Non, pas M. Marc Lubin. Moun sa yo, c'est moun pa yo, c'est moun pa yo. Nous valorisons dans Mitan Kafoua. Nous continuons à valoriser tête. Nous, et yo même tout,
dans mitan kafwa. Nous disons merci. À la prochaine. Et pas oublier. Livre ça. Le Sénégal. Une expérience qui transforme. Et l'autre livre. Ton bonheur au bout du tunnel. Que nous avons maintenant. Allez. Nous disons merci. À la prochaine. Continuez. Valoriser tête dans mitan kafwa. Non pas M. Marc Lubin. À bientôt. Abonnez. Subscribe. Mitan Kafwa, c'est podium pour tout haïtien ordinaire qui fait un travail extraordinaire. Quel que soit côté où il y a à travers le monde, nous menons sur le podium Mitan Kafwa. Moun sa yo, c'est moun pa yo, c'est moun pa yo. Nous devons valoriser dans Mitan Kafwa. Ce sont des haïtiens qui font un travail extraordinaire. Et ce sont des moun ordinaires. Yo humble, yo pa renmen parler de tête yo. C'est ça yo fait qui parle pour yo. Et je dis à yo ban nou chance. Yo vinn partager vie privée yo, vie professionnelle yo. Avec vous, côté quoi bien inspiration, côté que y a guidé pour capable progresser tout. Mitan Kafwa, c'est podium tout haïtien ordinaire qui font un travail extraordinaire. Nous valoriser yo dans Mitan Kafwa.